se marque. Comment s'est déroulée cette confrontation face à l'Algérie aujourd'hui déjà? Bon, pour nous, ça s'est bien passé puisqu'on ressort avec la victoire et on se qualifie pour la finale de ce tournoi de l'UNAF. Oui. Ce qui était pour nous un objectif, sachant qu'on est qualifié à la CAN, on se doit dans la préparation aussi d'emmagasiner le plus de confiance possible. Oui. Et ce genre de compétition permet pour nous de prendre la confiance, bien sûr, de revoir l'effectif qu'on a à notre disposition, de tester des joueurs, de tester les choses, et c'est l'objectif. L'équipe marocaine, on la connaît un petit peu, oui. Vous savez qu'on peut voir des vidéos, donc on la connaît un petit peu, on a vu ici au tournoi aussi. Oui. Donc c'est une équipe joueuse et qui ne s'est pas qualifiée par hasard à la CAN. Donc on sait que s'ils sont qualifiés, c'est que c'est une bonne équipe, qu'on respecte. Et après, le tirage au sort a voulu qu'on rencontrera le Maroc comme match d'ouverture dans notre groupe. Donc pour nous, cette préparation est importante. Oui. Aller en finale, c'était important. Maintenant, si c'est le Maroc, tant mieux pour nous, parce que ce sera déjà une bonne confrontation, je pense un bon match de préparation pour la CAN. D'accord, alors parlez-nous un petit peu de cette équipe sénégalaise. Quels sont les éléments les plus en vue, les plus distingués? Écoutez, je pense qu'avant tout, on met en avant notre collectif. Oui. On est une équipe très collective avec des joueurs très techniques. Oui. Et j'ai toujours de la peine à sortir un joueur plutôt que l'autre, parce que même aujourd'hui, on a fait pas mal de changements. Oui. Et l'équipe a répondu présent. Donc vraiment, nous, on met en avant notre collectif. Oui. Et c'est dans ce collectif-là que les individualités s'expriment. Alors, comment s'est passée cette rencontre face à l'Algérie? Bon, on l'a préparé comme les autres matchs. Oui. Bon, d'habitude on n'a pas d'habitude de rencontrer ces gens d'adversaires, mais bon, oui. On s'est adapté au fur et à mesure. Oui. Est-ce que c'était difficile de dominer l'Algérie ou bien est-ce que... Tout au début c'était difficile parce que toutes les deux équipes étaient en place, mais bon, au fur et à mesure, on finit par lasser. Et on était efficace dans la début. Alors comment vous prévoyez ce match face au Maroc en finale? On va préparer comme les autres matchs. Puis aujourd'hui, on a joué un match très difficile contre oui. l'équipe d'Algérie. Oui. Puis on a fait une bonne entame de match, mais l'équipe adverse nous a empêché de jouer. Oui. Mais l'équipe était costaud et le bloc était en place. Oui. Et on a très tôt marqué un premier but. C'est cela qui nous a libérés. Et en seconde période, on a pu marquer le deuxième but. Oui, d'accord. Vous allez affronter l'équipe marocaine en finale. Comment vous prévoyez ce match déjà? Ah, nous sommes prêts pour qu'ils rencontrent le Maroc en oui. finale. Nous sommes prêts pour le battre. Oui. Cela a fait qu'il y a la CAN. Oui. Nous sommes dans la même poule. Nous sommes dans la même poule oui. au Tanzanie. Donc ça vous fera une belle préparation pour la CAN. Oui, ça nous fera une bonne préparation dans la CAN.